Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo qui n'était pas prévue du tout, une vidéo un petit peu à l'improviste. Ne me posez pas de questions dans les commentaires pour le décor, c'est comme ça. J'avais décidé de tourner ici hier soir et j'ai pas bougé, donc le PC et tout est toujours là. Donc je déplacerai bien évidemment les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, vous posez pas de questions. Aujourd'hui on est là un petit peu sans contexte particulier, je voulais juste tout simplement vous remercier. Parce que on atteint bientôt les 2 ans de la chaîne. Les 2 ans de la chaîne sont pour le 19 juillet. Oui, 19 juillet. Ça fait bientôt déjà 2 ans qu'on est sur la chaîne. Il y aura probablement un live pour les 2 ans. Mais pas que, on atteint bien évidemment bientôt les 500 abonnés. Voilà, grand merci, un énorme merci même j'ai envie de dire. Parce que ben, j'aurais jamais pensé en si peu de temps récupérer autant de gens. Voilà, donc merci beaucoup. Vous suivez notamment principalement... Eden Zero, vous suivez principalement Eden Zero, c'est surtout pour ça que vous êtes là. Vous suivez principalement les live réactions sur Eden Zero. Il m'arrive de faire du Dr. Stone, même si je sais et je me pose quand même la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer Dr. Stone? Là, à l'instant, je viens tout simplement de tourner la review du chapitre 149 et 150, mais je me dis que Dr. Stone, ça fait pas autant de vues que je l'espérais, même s'il y a très peu de chaînes qui parlent de Dr. Stone en France. C'est pour ça que je voulais peut-être me lancer en espérant qu'il y a quelque chose qui se débloque avec Dr. Stone. Finalement, je vois qu'il y a probablement pas suffisamment de vues, peut-être que ça intéresse pas grand monde, donc je me pose quand même des questions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si éventuellement ça vaut le coup pour moi de continuer Dr. Stone ou pas, parce que bon, je vois que le format vous plaît peut-être pas, ou peut-être les reviews c'est pas votre truc, ou tout simplement que Dr. Stone c'est pas intéressant à faire sur YouTube. Voilà, tout simplement, peut-être. Voilà, je suis pratiquement l'une des seules chaînes en France, je dis pratiquement, je suis pas la seule chaîne FR à faire du Dr. Stone, attention, je suis pas la seule chaîne, mais je me pose quand même des questions. Voilà, j'aimerais quand même que et c'est probablement le sujet finalement, même si on n'a pas vraiment en soi, c'est comment améliorer la chaîne pour les mois, voire les années à venir. C'est surtout comment est-ce que je pourrais vous satisfaire, quel programme de vidéo je pourrais vous proposer, parce que savoir que j'ai pas non plus 50 000 idées, en sachant qu'il y a énormément de séries qui viennent d'être repoussées cette année, que ce soit en fin d'année, voire au début d'année prochaine, donc forcément il y a des projets de vidéos qui tombent à l'eau. Voilà, il y a des reviews peut-être, il y a même des réactions en soi. Je comptais peut-être faire d'animés qui tombent forcément un peu à l'eau, puisqu'il y a des animés qui sont repoussés, peut-être The Promised Neverland en l'occurrence, ou moi quand je me réincarne en slime qui vient tout simplement d'être repoussé. Je suis ultra deg, je viens d'apprendre la nouvelle il y a très peu de temps, donc forcément je suis un peu deg, et j'avais probablement prévu de faire une ou deux réactions sur l'animé, car vous savez que j'ai regardé, et je vous en avais déjà parlé sur des espèces de mini-reviews où je vous parlais de l'animé, enfin, des animés globalement du printemps ou de l'été, bref, j'en avais déjà parlé. Donc forcément, je comptais probablement faire quelque chose avec ça, mais les animés sont repoussés, donc ça m'oblige à trouver d'autres idées. Vous savez qu'il y a des lives aussi, donc je fais régulièrement des lives pour le moment parce que je peux me le permettre, mais il se pourrait que plus tard je réduise les lives, je reste à probablement un ou deux lives par semaine, mais le format pourrait changer, ça pourrait être un live tous les 2 semaines ou un live tous les 3 semaines, je ne sais pas. Pour l'instant je suis assez libre de mes mouvements, mais quand je me mettrai à avoir une activité professionnelle, je ne pourrai plus vous faire des lives une fois par semaine, probablement peut-être que je pourrais maintenir le format des lives une fois par semaine, peut-être le samedi soir, avec ou sans invité, bien évidemment, ça dépendra des gens et de leur disponibilité, si jamais j'ai l'occasion même de vous réinviter, parce que je sais, et je vous en remercie, le format vous avait vraiment plu. Voilà, je vous remercie énormément que ça se soit bien passé. Ce live où je vous ai accueilli, j'ai accueilli 3 d'entre vous, donc voilà, merci énormément. Je sais que c'était assez compliqué pour moi d'organiser ça, et bon, voilà, j'avais organisé ça un petit peu à la va-vite, en mode ouais, est-ce que ça vous dirait, etc., pour avoir une approche un peu plus directe avec la communauté. Et pas seulement avoir des gens qui parlent dans le chat en mode voilà, je sais que vous êtes quand même assez beaucoup à suivre les lives en général, surtout pour concernant Fairy Tail, Eden Zero, Mashima en général. Donc forcément je sais que même s'il n'y a pas beaucoup qui parlent dans le chat, c'est pour ça que je me pose quand même pas mal de questions. Je sais que en moyenne quand je fais du Eden Zero en live ou du Fairy Tail ou du Mashima en général, je tourne dans la 30aine de viewers. Donc voilà, merci. Parce que je pensais pas un jour atteindre un nombre aussi énorme de viewers en live, c'est-à-dire qu'il y a 30 personnes qui me regardent en direct, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme, et merci, merci, merci. On atteint bientôt les 500 abonnés, jamais j'aurais imaginé en une année quasiment rattraper ce chiffre, vraiment, ça va faire bientôt 2 ans, encore une fois, que la chaîne existe.
J'avais perdu plus de 1000 abonnés. Pour moi, pour vous, ça veut paraître rien. Pour les gros youtubeurs, ça veut paraître rien. Surtout mes collègues qui ont eu quasiment plus de 10 000. Voilà, largement plus de 10 000, même j'ai envie de dire, qu'ils atteignent bien évidemment bientôt les 20 000 chacun. C'est énorme pour eux. Pour moi, à côté, vraiment, je suis vraiment ridicule à côté. Mais je m'en fous parce que je fais ça uniquement pour la passion. J'organise bientôt une FAQ. Donc, vous pourrez laisser dans la description, enfin dans les commentaires, je vais y arriver. Dans les commentaires, vous pourrez laisser vos questions. Alors, je voulais pas faire forcément une vidéo FAQ en soi-même, en mode laissez vos questions ici. Voilà, c'est une vidéo qui parle un peu de tout. Donc laissez vos questions dans les commentaires. La FAQ sera pas tournée tout de suite. Voilà, j'attends peut-être les 2 ans de la chaîne, ou si jamais entre temps on attend les 500. Voilà, ce serait génial, j'espère, parce que le nombre, même s'il stagne un petit peu ces derniers temps, c'est pas grave, je m'en fous, je vais pas mendier des abonnés, je suis pas là pour ça. Mais voilà, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses peut-être que je compte faire plus tard, il y a des choses que, voilà, peut-être des choses qui ne seront pas sur YouTube, parce que vous savez qu'il y a des restrictions, beaucoup de restrictions, énormément de restrictions par rapport à la Japanimation et ses entourages. On ne peut plus rien montrer, même si, enfin, ça se limite plutôt aux petites chaînes, et même les grosses chaînes ont du mal à le faire. Mais YouTube devient de plus en plus restreint par rapport à la Japanimation, donc ça devient de plus en plus compliqué de vous proposer des trucs sur YouTube. Donc on est obligé de passer par des plateformes extérieures, etc. Même pour les lives, par exemple, pour ceux qui veulent, pour les gros YouTubeurs, surtout francophones, parce que en ce qui concerne les Américains sont beaucoup moins touchés par ça. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Mais en ce qui concerne des réactions d'animés par les Américains, il y a vraiment beaucoup d'Américains qui font des réactions sur des animés qui ne sont pas strike. Alors que nous, Français, nous, Européens, on est beaucoup strike par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi eux, les Américains, ne sont pas touchés par rapport à ça. C'est peut-être les droits d'auteur qui sont peut-être un petit peu plus larges, mais pourtant, c'est sur YouTube. Alors pourquoi nous, petites chaînes, ou nous, francophones en général, sommes touchés par ces droits d'auteur et pas les Américains? C'est très étrange. Mais on ne va pas transgiverser 50 ans là-dessus. Ce n'est pas grave en soi, c'est pas le problème. Mais il y a forcément des projets qui ne pourront pas être proposés sur YouTube et que je vais devoir vous mettre notamment sur Mega. J'aurai pas le choix. Il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas sur la plateforme, donc qui font forcément pas beaucoup de vues. C'est dommage, mais on est obligé de faire avec. Et même en ce qui concerne des lives, il est probable que à l'avenir, si je veux faire une réaction en live sur quelque chose, que je sois obligé de me créer une chaîne Twitch. Bien, vous savez que Twitch est un petit peu plus libre, un petit peu plus souple sur les droits d'auteur. Donc il se pourrait, si je veux faire une réaction en live d'animé, mais vraiment en live, c'est-à-dire qu'on découvre en même temps, vous et moi, un épisode d'animé, je vais être obligé de passer sur Twitch. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas Twitch. Donc ça s'organise petit à petit, j'essaye de faire des trucs, même si j'ai pas forcément le temps de tout faire. En même temps, mais j'organise des petits trucs, voilà, des lives qui s'organisent avec des invités, machin, avec des sujets. Forcément, je déteste lancer un live sans sujet, ça sert à rien de lancer un live en mode détente sans sujet, en mode je vais parler de tout et n'importe quoi. Et moi, je préfère avoir un sujet fixe comme Eden Zero, comme faire des théories, comme parler de Mashima en général sur l'avancée de ses œuvres, etc. Même si Mashima, je pense qu'on a largement fait le tour pour le moment, mais on attend probablement la centaine pour Eden Zero, pour éventuellement faire un live où on reparlera globalement des arcs dans leur généralité, en mode quels sont nos arcs préférés, quelles sont nos attentes par rapport au futur du manga, et peut-être même une future adaptation animée, car vous savez qu'il y a une rumeur qui tourne sur l'adaptation animée d'Eden Zero, même si pour le moment nous n'avons aucune confirmation que cela soit vrai. Nous attendons confirmation, nous attendons qu'une véritable information sorte éventuellement de la bouche de Mashima ou du Twitter de Mashima en mode oui, il y a bel et bien un animé d'Eden Zero qui est prévu, ça sortira là, voici le staff, tatati tatata. Nous attendons une vraie info parce que pour l'instant, ce n'est qu'une putain de rumeur qui se répand beaucoup trop vite à mon goût et qui pourrait s'avérer complètement fausse. Et dans ce cas-là, tous les articles qui ont été écrits devront être supprimés à l'instant même où le mec qui a écrit ça aura avoué que c'est complètement du troll, ou tout du moins qu'il s'est trompé dans son information. Voilà! C'est une vidéo qui n'aura pas forcément duré longtemps, donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, merci encore. Il y a des choses qui se préparent dans les futurs de la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, vous avez des trucs à me dire dans les commentaires, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la chaîne, parce qu'on atteint bientôt les 2 ans, les questions pour la FAQ,
voilà, n'hésitez pas, les questions pour la FAQ. Donc balancez un maximum de questions. J'ai aussi posé la question sur Twitter, donc je ferai deux, je poserai Twitter et YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à balancer un maximum de questions. Je veux aussi les pouces bleus pour prouver que vous avez vu la vidéo, que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, et pas seulement parce que je vous ai demandé de mettre un pouce bleu, c'est surtout pour voir que je parle pas pour rien dire. En fait, je déteste faire une vidéo où je dis mets un pouce bleu, machin. C'est pour ça que je le faisais pour Eden Zero. C'est que j'avais beaucoup de vues et j'avais très peu de pouces bleus. Donc finalement, je me disais oui, il y a des gens qui regardent, mais finalement, il n'y a pas une grosse communauté qui écoute ce que je dis. Donc quand j'ai vu et quand j'ai demandé s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de mettre au moins 10 pouces bleus et que j'ai eu mes 10 pouces bleus, vous m'avez entendu, vous m'avez écouté et je vous en remercie beaucoup. Aujourd'hui, on tourne à 30 pouces bleus par vidéo. C'est génial et vous regardez, je vous demande plus de pouces bleus. Vous mettez systématiquement vos pouces bleus, vous me prouvez, vous ne faites que me prouver et me rassurer dans l'idée que vous êtes présent chaque semaine, vous êtes présent, vous regardez les vidéos jusqu'au bout et vous mettez votre pouce bleu à la fin parce que la réaction vous a plu, parce que vous continuez à suivre les vidéos chaque semaine. Vous êtes là, que je fais pas une vidéo dans le vide avec très peu de communautés qui suivent. Vous avez aussi beaucoup de commentaires à laisser, beaucoup de théories à laisser. Merci beaucoup, merci encore, merci de suivre la chaîne. La chaîne continue d'évoluer, j'espère qu'elle va continuer à évoluer, qu'elle va pas stagner au bout d'un moment. J'espère trouver de nouveaux sujets à vous parler dans les mois, voire les années à venir. J'espère ne pas quitter YouTube trop tôt. YouTube, c'est une expérience géniale pour moi parce que ça me permet de m'évaser, permet de trouver quelque chose à faire quand je m'ennuie. Tourner une vidéo, c'est quelque chose que j'adore faire, même s'il y a des vidéos qui me plaisent moins et d'autres que j'adore faire, comme les animateurs Sakuga, etc. Il y a d'autres, forcément, je suis un peu déçu de les avoir écrites et que j'aurais bien refaites complètement, parce que, bon, forcément, il y a des vidéos que j'ai écrites un peu sur le fil, comme celle-ci, où j'ai pas de texte en main, où j'ai rien d'écrit, tout est fait à l'improviste. Donc forcément, c'est compliqué pour moi, mais ça me plaît. Ça me plaît énormément, ça me plaît de vous parler, ça me plaît d'interagir avec vous, ça me plaît d'être sur YouTube, ça me plaît de faire ça pour le plaisir. Et merci à tous de me suivre. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.